Coucou les filles, donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc là ça va être ma commande mime. Alors oui, elle est enfin arrivée. Donc pour celles qui me suivent sur Facebook, vous savez de quoi je parle. Sinon donc je vais vous en parler un peu. Donc j'avais passé une commande sur le site Mime, donc un site de vêtements. Et parce qu'il y avait pas mal de prix, il y avait des prix vraiment bas, plus moins 20% il me semble, ou moins 29, je crois que c'était même moins 29%. Et donc je passe commande, déjà bon il y avait un souci avec le paiement, ça a un peu bugué, bref, mais bon, tant pis. De là, donc j'attends, on va dire, 7 jours, un peu moins de 7 jours même, peut-être 5 jours, un truc comme ça, et ma commande arrive, donc trop contente. J'ouvre ma commande, et là, grosse surprise déjà, je vois une paire de chaussures. Je dis mais je sais pas comment des chaussures, déjà en plus pas des comme ça. J'aurais jamais acheté ça, et des vêtements enfin qui n'étaient pas à moi. Donc je regarde la facture et effectivement ce n'était pas ma commande, c'était donc le nom d'une autre personne qui était sur la commande. Donc je fais d'accord, super. Donc de là je contacte le service client pour leur dire que je suis vraiment pas contente du tout, parce que là c'est quand même une grosse erreur quoi. Si moi ils m'envoyaient la commande de la personne, c'est à dire que la personne a reçu ma commande, donc on est quand même deux personnes à être insatisfaites et à être fait vraiment avoir là-dessus. Donc de là, bon, un gros blabla, je leur dis que moi je veux bien leur renvoyer, mais certainement pas à mes frais. Donc pas de je vous avance et puis vous me remboursez, ça c'était hors de question. Donc du coup ils me disent, bah écoutez, on va vous envoyer une feuille Colissimo en fait à coller sur votre colis et puis voilà, vous n'avez rien à payer, donc c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai continué à leur dire que bon, moi je voulais quand même un geste commercial, que je trouvais pas ça normal, voilà, une erreur pareille, bon, c'est quand même assez énorme quoi. Et donc du coup, je leur avais demandé qu'ils me donnent un bon, mais pour acheter dans le magasin, parce qu'après je me suis rendu compte qu'il y avait un magasin dans ma ville. Super. Et là ils m'ont dit que c'était pas possible parce que les magasins et le site étaient dissociés. Mais qu'ils voulaient pas bien m'envoyer, me donner un code promo de moins 20% pour leur site, valable pendant un mois. Super. Donc là on verra si j'utilise ou pas, mais bon j'ai trouvé ça limite, franchement au niveau commercial j'ai trouvé ça très limite. Ils auraient très bien pu me dire bah, on vous rembourse une partie de la commande ou voilà on vous fait un bon de 20% mais valable voilà autant de temps, enfin sans date limite quoi. Là non, c'est un moins 20% sur un mois, donc voilà, sachant que la commande a mis 2 semaines, je trouve ça limite. Bref, je l'ai reçu donc aujourd'hui. Ouais, voilà. Donc dans un pochon juste énorme, quoi. Truc comme ça, quoi. Donc là, bon, les vêtements étaient tous emballés un par un et tout, voilà. Bref, donc j'ai enfin réussi à recevoir une commande. Donc qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé donc des débardeurs tout simples. Alors j'en porte un sur moi, donc vous voyez un noir comme ceci, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, basique. Donc j'ai commandé 2 noirs, 2 marrons, 2 gris. Comme ça, hein, on est tranquille. Et donc, à la base, alors je crois qu'il y avait des prix pour 2 achetés, c'était moins cher, bref. Donc ils étaient à 3,99€, j'ai une remise de 1,60€ et j'ai payé donc pour 2, 6,38€. Donc ce qui fait quand même une bonne remise. Donc, hop, ensuite, j'ai acheté les jeans. Donc j'ai acheté 4 jeans. Alors je vais vous en montrer un que je porte sur moi. Hop. Donc c'est un mi-taille haute, j'aurais préféré que ce soit plus taille basse, j'avais pas remarqué que c'était si haut, mais bon. Donc 2 boutons, fermeture éclair, petite poche pour demi-doigt. Donc derrière poche fermée. C'est bien, c'est qu'on peut quand même mettre une ceinture, ce qui cassera l'effet taille haute en fait. Donc alors, que je vous dis, c'est un taille 34, mais il taille quand même relativement grand, comme vous pouvez le voir. C'est pas, je suis pas hyper moulée non plus dedans, quoi. Donc faites attention, je trouve quand même qu'il taille relativement grand pour leur jean. Donc en bas, c'est un peu évasé en fait. Donc voilà, il est pas droit. Il me semble que c'est une coupe large. Donc voilà, vraiment, enfin, c'est on est hyper bien dedans. C'est un jean léger. Stretch, donc on est vraiment à l'aise dedans. Donc c'est pas voilà la super qualité voilà non plus quoi, mais je pense que ça durera un bon moment. Donc celui-là,
J'ai dû le payer. Enfin, il était à la base à 29,99. J'ai eu moins 6 euros dessus. Et je l'ai payé 23,99. Donc j'ai pris le même, mais en brut. Il me semble que c'est ça. Voilà, c'est exactement le même en autre teinte. J'en ai pris un autre. Donc celui-là, ça doit être les évasés. Parce qu'il y a plusieurs catégories. Et donc là, avec la ceinture, il était à 24,90 et je l'ai payé à 9,96. Parce que j'ai eu moins 14,94 dessus. Donc là, du coup, j'ai pas payé cher. Donc vous voyez, il y a une grosse ceinture que je trouve vraiment super belle. Donc vraiment la bonne ceinture qui va bien avec. Donc hop, je vous montre. Derrière les poches. Hop. Donc là, est-ce que c'est des poches mi-doigts? Non, là, c'est des poches pour main entière. Et donc, hop, en bout, vous voyez, c'est quand même plus large. Donc, vraiment sympa aussi, stretch, on est vraiment à l'aise dedans. Il y a certains jeans, donc, je les travaillais un peu, enfin, de les porter assez souvent pour se sentir bien, mais là, non, quoi. Tant pis. Et là, donc, un couleur bleu plutôt passé. Alors là, par contre, j'adore la ceinture. Vous voyez, elle est vraiment, mais énorme, quoi. Donc j'aime vraiment beaucoup avec la boucle qui est très belle. Donc là, hop, poche fermée derrière. Et pareil, le bas évasé. Donc vraiment, bon voilà, les articles sont très bien, heureusement. Mais est-ce que j'aurais envie de recommander sur leur site? Je sais pas. Là, pour l'instant, je me pose la question, est-ce que j'ai envie de recommander dessus ou pas, sachant tout ce qui s'est passé. Et que le service client, après, n'a pas été forcément... des plus commerciales, des... Voilà, j'ai pas forcément apprécié. Donc écoutez, voilà, si vous avez déjà commandé, bah dites-moi si ça s'est bien passé ou pas. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye les filles.